vêtements et ça pour aujourd'hui. Il fallait prendre ça aujourd'hui avant 17 heures d'accord. Peut-être que tant qu'il finit par le tridoum là, il ne sort pas. Tu es obligé de faire ton tridoum là maintenant. Il faut le tridoum contre ton père. Contre mon père. T'as comment t'as dit qu'on fait le tridoum? Il ne fait pas comment? Tu n'as pas constaté que depuis que ton père a déposé la date de péremption sur notre relation, tout va mal dans ma vie. Mes choses ne marchent plus, il n'y a plus rien. Même j'ai même perdu mon travail. Tout ça pourquoi? Parce que ton père prie contre moi. Comme il prie contre moi là, non? Je prie maintenant contre lui. Il prie contre moi. Je prie contre lui. Il prie contre moi. Je prie contre lui. Ma prière va taper sa prière. Ma prière va gifler sa prière. Ma prière va faire la clé 14 à la prière de ton père. La prière de ton père va vouloir rechigner. Non, ma prière va encore gifler sa prière. Et c'est comme ça que ma prière va gagner. Quand ma prière va gagner, elle va faire houha. Et ma vie ira bien maintenant. C'est là qu'elle pourrait sortir. Tes prières vont battre ses prières. Je te dis. Si tu le dis. Non, maintenant là, ma vie, je reste à la maison, je souris, je lis les livres, je ne pense pas du mal des gens, même du gouvernement, non, tout ce que je pense même que ce qu'ils font actuellement, c'est bien. C'est bien, je n'ai aucun souci avec ça. Mais avec mon père, tu n'as pas le même programme. Non, ton père, c'est différent. Ton père, je peux l'insulter parce que c'est mon adversaire. Je peux penser du mal de lui. C'est mon adversaire principal. C'est lui qui a l'origine de tout ça, non? C'est pour les autres personnes, non, ça va, je suis calme. On ne va pas en faire un débat, Takam. On dit quoi? On se voit le soir après mon Non, non, vérifie quoi? Je fais souvent quoi là-bas? Non, ne passe pas ici, là. Il t'a dit que je suis en train de faire un tridoum contre ton père. Donc, ce qui fait que tu n'es pas dans mon camp, tu es dans le camp de ton père. Et puis, même si tu arrives, le tridoum, c'est 3 jours. 3 jours. Donc, ça veut dire que comme j'ai commencé ce matin à 8 heures là, demain matin, ça va faire 1 jour. Après demain matin, ça va faire 2 jours. Après demain matin, ça fait 3 jours. C'est là que le tridoum finit et tu peux venir le soir. George, laisse-moi. Non, ne viens pas ici là. Voilà, moi, je te dis, regarde, toi-même, hein, entre une fille et un garçon, seul dans une chambre et le tridoum, qu'est-ce qui est plus fort que l'autre? C'est une fille et un garçon seul dans une chambre. C'est pour ça que tu vois, moi, je fuis l'autre là. J'ai fait mon tridoum. Voici mon projet. 3 jours sans manger, sans boire, sans insulter qui que ce soit et sans penser du mal de quelqu'un. Et puis, en évitant la tentation. Vraiment, reste chez vous. Ok, c'est déjà moi la tentation. Tu as dit que tu avais un peu d'argent pour moi. Oui, justement, c'est ça que je suis en train de chercher comme ça là. Même dans la chaussure, moi, j'ai déjà fouillé, il n'y a plus rien là-bas. Attends, tu as encore fouillé dans ma chaussure? Tu as fouillé ma chaussure noire? Oui, juste pour voir, non. C'est là-bas qu'on garde nos derniers argent. Pourquoi? Ok, ça va. C'est même pas là-bas. Ce n'est même pas dans ma chaussure noire. Ah, tu as d'autres cachettes? Ok. Je t'envoie ça. Non, ta cam ne m'envoie pas l'argent. Bah. Ça va faire des frais supplémentaires. Ouais, c'est qu'elle ne veut pas que tu viennes. Je t'envoie ça. Laisse-moi, Joyce. Comment elle peut fouiller dans ma chaussure noire, non? Dieu merci. M'a demandé de vous dire qu'il faut vider la poubelle avant qu'elle ne soit pleine parce que les odeurs dérangent. Ma poubelle. Que je dois vider ma poubelle. Oui. Donc ma poubelle est placée là-bas comme ça là et ça dérange là-bas. Il reste qui est loin là-bas avec son petit portail. Donc les odeurs de ma poubelle se téléportent pour aller déranger là-bas. Il reste. Ok. C'est quand il commence mon tridoum que vous voyez que vous allez me donner les ordres. J'y exécute. Je n'ai pas vidé ma poubelle. Tu vois comme je n'ai pas vidé là. Je suis en train d'aller vider. Premier jour dans les désirs, on me parlait déjà. Attends. Il m'a parlé. Quand Jésus était dans le désert, qui lui avait parlé? Satan. Ok, la première chose à faire quand on entame un tridoum. Bon, la façon avec laquelle ça a commencé là, mieux je dors, c'est mieux.
Tridoum. Ouais. Il fait un jour. Ouais. Au final, c'était pas si dur que ça. Je peux tenir. Si j'ai tenu un jour, ça veut dire que je peux encore tenir deux jours. Je n'ai pas faim. Bon, j'ai un peu soif, mais ça va. Qui aurait pu croire que Takam tiendrait un jour sans manger? C'est vrai que moi-même, je n'y aurais pas cru, mais bon, ça va. Je peux le faire. C'est quand même moi, l'enfant de ma Monique. Je vais tenir. Plus que deux jours, je fais ma prière et je continue avec mon tridoum. Ouais. Ouais. Je me sens bizarre. C'est comme si j'ai faim. Non, ça doit être parce que... Peut-être parce que mon organisme est souvent habitué à manger à l'heure celle-là. Du coup, c'est pour ça que ça a le problème. Ça ne s'est pas encore accommodé. Mais ça va aller. J'ai pas faim. Et mon cœur. Ah, s'il est 20 ou 12 heures. Oui. Le temps n'avance même pas. Toi, au moins, tu ne te plains pas. Tu te nourris de la charge. Tu veux discuter. Est-ce que tu as un problème de tridoum? Ok. C'est ce que je veux faire. Je veux faire comme hier. Genre, si je dors, je ne vais pas voir le temps passer. Je me couche là. Je vais me réveiller même vers 17h ou 18h. Et après, à 20h, je serai en train de dormir. Ça sera à la deuxième journée qui sera finie. Mince. Avec tout le sommeil que j'ai dormi là, il est seulement 15 heures. Même pas 17 heures. Ah, jusqu'à demain, on va me trouver. Ce n'est pas la nourriture que je cherche. Ce n'est pas la nourriture. Ce n'est pas. Je ne cherche pas la nourriture. Même ici, là, même ici, ce n'est pas la nourriture. Je ne peux pas chercher la nourriture. Je ne peux pas avoir la nourriture. Je vais faire quoi avec? Est-ce qu'on mange pendant le tidou? Bonsoir toi. Bonsoir Ernestine. Chakam, today, now, j'ai espéré que je ne dérangeais pas toi. Hein. No, ça va. Ok. Chakam, you know, since depuis, on faisait trop le problème. And you know fine. Not so, you know fine. On est dormi dans la prison. Ton femme m'a agressé, moi. Ton second wife est venu ici mettre les gâteaux sur mon fils. Il faisait tout sur le bruit. But Chakam, it doesn't matter. It doesn't matter at all. You know, we are neighbors, so if I have problems in my house, I will come and sleep in your house now. Dormi dans quelle maison? Non, Chakam, hey! Je ne vous l'ai pas dit que je dormais avec toi. Je disais que tu ne pouvais pas laisser moi dormir dans le dehors, non. Ah, ok. Yes. Calm down, Chakam. And yesterday, I gave my life to Christ. J'ai donné mon vie to God. Mm-hmm. And I want to make peace with everybody, all man. En commençant par le tuer avec toi. So, Chakam, that's why j'ai fait le petit nourriture ici. Only for you, Chakam. Je venais faire les paix avec toi.
Chakam, je voulais que tu apologises me. Ernestine. Yes. Donc, tu es venue pour apologiser. Yes. Avec la nourriture. Yes, just for you. Donc, ce n'est qu'aujourd'hui. Hier, avant-hier, tu n'avais pas le temps. Demain, après-demain, tu n'auras pas le temps. Non, ce n'est qu'aujourd'hui que tu es venue apologiser. Yeah. Avec la nourriture. Wow. Ernestine, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vraie vérité. J'ai bien envie de manger cette nourriture. J'ai vraiment envie de manger cette nourriture. Si ça dépendait que de moi, je mangeais ça maintenant. Mais le problème, c'est que si je mange ta nourriture et qu'on redevient amis, tu vas croire qu'on est redevenu amis juste pour la nourriture. Voilà, tu vois comme tu fais un là, non? Je fais aussi un à la nourriture. Pardon. Chacun, tu refuses mon nourriture? Non, je ne refuse pas ta nourriture. Je m'éloigne juste de la nourriture. On est en période de carême. L'évangile recommande de s'éloigner de la tentation. Hey, Chacun, j'ai mis tout mon argent dans la nourriture ici. To make peace with you. Je voulais faire les paix avec toi. Tu refusais. On va faire ça un autre jour, non? On peut organiser, on prend un rendez-vous, on fait la paix. Chacun, prends le nourriture, Sim. Non, je ne peux pas, comme j'ai dit. Chacun, je voulais nous faire les paix avec toi. Prends le nourriture, Sim. Je suis. Don't vex me, Chacun. Prends le nourriture, Sim. Non. Chacun, check. This food. On peut, le programme de la paix, on peut renvoyer ça à un autre jour. On essaie de se coordonner seulement. Chacun, je voulais les paix avec toi. Je voulais les paix avec toi. Forcé. Take this food. Non, je voulais les paix avec toi. Prends un autre, c'est Chacun. Apologize me. Nonsense. On ne demande pas la paix avec les armes. Le tritoum. Et on n'insulte pas en plein carême. Le tritoum. Je ne vois rien. Je n'ai rien vu. Je ne vois pas la nourriture. Il n'y a pas la nourriture là-bas. Je ne vois pas. Je ne vois pas que 4 morceaux de viande qu'il y a dans la sauce. Non, moi je ne vois pas ça. Je ne vois pas la nourriture. Jeûner, ce n'est pas fuir la tentation, mais c'est aussi résister à la tentation. Parce que si Jésus, quand il était dans le désert, Satan ne lui parlait pas, il ne devait vraiment pas avoir de carême. C'est ça, il a résisté. Je dois résister. Je dois résister. Non, je ne peux pas. Ouais! Ouais, je l'ai fait. J'ai échappé à la tentation. Ouais. Non, il faut qu'elle lave le plastique parce que vraiment, sinon. Ok. Ah, c'est bon. Loin de moi la tentation. Bon, il faut avouer que ça sentait quand même bon. Hein. Mais bon, là, si tu veux. J'espère que c'est pas Ernestine. C'est qui?
Yo, le Takaminis Takus. Ah, c'est comment, non, gars? Tu vas bien, là? Désolé, monsieur, s'il vous plaît, vous cherchez quelqu'un. C'est moi, non? C'est Pito. Ton petit frère que tu aimes beaucoup, là? C'est moi qui suis venu chez toi comme ça, là. Non, vous confondez certainement. En fait, je n'ai vraiment pas de petit frère. Bon, oui, j'en avais un. Donc, il était venu ici, là, il a fait 3 jours, il a porté la télé, il est parti avec. Donc, je ne pense pas qu'il peut revenir, ça ne peut pas être vous. Là. Quelqu'un ne peut pas porter la télé, après il revient comme ça. La mort, ce n'est pas un truc qu'on va avec. Tu restes plutôt, ça vient te trouver. Mais quelqu'un ne peut pas porter ta télé, après il revient, genre, t'as Camus. Donc, je suis désolé. Ta télé? J'ai pris ta télé, gars. J'ai pas pris ta télé. Tu n'as pas pris ma télé. Tu m'as donné ta télé, gars. Tu n'as pas pris ma télé. Non, tu n'as pas pris ma télé, pourquoi tu fuis? Non, je ne fuis pas. C'est que tu vois, comme les trucs de coronavirus là sont venus, c'est à cause de ça que, tu vois, distance de sécurité. Ah. C'est pour ça que, tu vois, sinon, et toi, embrasser le Takaminis, tu vois. Ah, tu le Takaminis. Non, c'est une belle idée. Oui. C'est une belle idée, il faut venir m'embrasser, non? Non. Comme c'est maintenant que tu te rends compte qu'il y a un corona là, c'est ça. Ça a fini de tuer les gens en Chine, ça a tué en Europe, jusqu'on a bloqué les frontières aussi ici en Afrique. C'est là que tu te rends compte qu'il y a un corona. Puis tu, où est ma télé? Je n'ai pas pris ta télé, gars. Tu m'as donné ta télé. Toi-même, tu as pris ta télé, tu m'as donné. Moi, j'ai porté ma télé. Oui! On m'a appelé, non, je devais aller quelque part, donc. On m'a appelé comme ça, que voilà, et tout, tu dois voyager, tu dois partir quelque part. Et il n'avait pas l'argent, tu vois, non. Donc, je t'ai expliqué le problème, que voilà, je n'ai pas l'argent. Et tu as pris ta télé, comme tu es mon grand frère chéri. Tu m'as donné que voyage et tout, tu m'as expliqué que non, voilà. Oh, quand tu regardes la télé, là, ça te rappelait ta Jones et tout. Que non, ça te rappelle comment vous regardiez souvent la télé, là, ensemble, voilà, oh. Et... maintenant, moi, je suis content. Quand je te vois comme ça, là, tu as oublié Joyce, machin, tu brilles et tout ça. Tu as bien les muscles, gars, tu vis bien. Et si la personne n'aurait pu imaginer que tu allais oublier Joyce, c'est bien là chez toi, c'est climatisé et tout ça. Viens porter ma télé. Et tout, tu sais quoi? Vrai, je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas. J'ai dit, quand disons que je te crois, hein, quand mon tridoum va finir, je vais venir te poser la question. Pour l'instant, je te crois. S'il te plaît, si tu peux me rendre un service, dis-moi exactement ce que tu veux. Comme ça, là, si je peux te donner ce que tu veux, tu pars. Dis-moi, tu veux quoi? On peut entrer. Entrer où? Allez, puis toi, on se connaît. Toi et moi, on se connaît. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui est en train de se promener. Tu ne te promènes pas. Tu es en train de fuir quelque chose. Et c'est toi seul qui connais ce que tu fuis. Donc, tu ne peux pas quitter d'une ville pour une autre là et tu as la barbouche. C'est pas ici que tu vas venir te cacher. Non, ce n'est pas ici là. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, périmètre de sécurité, coronavirus. Dis-moi, tu fuis quoi? Voilà. Laura t'a déjà appelé. Tu connais Laura, non? Laura, notre grande soeur. L'autre qui partit en France. L'autre que... ouais, s'il te plaît, arrête ça. Dis-moi, tu veux quoi concrètement? Takam, je suis en danger. Laura et moi, actuellement, on est en train de monter un truc très très fort. Le genre de business qui ne peut pas. Et j'ai besoin que tu me couvres. Tu vois que tu couvres ton petit frère, non? Donc tu vois comme Laura a l'habitude de faire les trucs, elle gère les dossiers et Pito. Tout ça. Fatima. Y'a quoi de difficile dedans? Je savais. Je voulais seulement voir si toi, tu connaissais ton prénom et tout ça. C'est un peu ça. Ça va? Ta gueule. Donc, Pito, toi, tu arrives dans mon quartier. Tu ne m'appelles pas, tu ne m'écris pas, tu ne fais aucun signe de vie. Il faut que ce soit Laurence, ma pire ennemie, qui écrive à sa chipie de copine de Maestra, qui à son tour envoie le message à Yvette, pour qu'elle envoie un message à ma meilleure amie Raïssa qui me dit que toi, tu es dans mon quartier. Et je suis au courant par ses filles. Tu vas bien là, Pito? Ça va dans ta tête là? Non, j'allais t'appeler. Tu allais m'appeler quand? Est-ce qu'il peut d'abord venir dans ton quartier comme ça, je ne t'appelle pas? C'est quand même toi. Hein? Bonsoir, maman. Pardon, vous cherchez quelqu'un? Bonsoir, monsieur. Je souhaite parler avec votre ami. On va parler. Attends, d'abord, je finis de parler ici. Là. Après, on parle. Et tout, je suis ton ami.
Madame, vous êtes qui? Je suis Fatima. Je suis la fille de la bailleresse de cette cité. La bailleresse? Celle chez qui je paye le loyer? Question rhétorique. Et tout? Je suis dans ce quartier depuis. Je ne connais pas la fille de la bailleresse. Toi, tu es venu ici là 3 jours. Tu connais la fille de la bailleresse? Ok. Tu as dit que tu étais la fille de la bailleresse. C'est bien. Quand je suis bailleresse, c'est ma bailleresse. Je ne suis pas sûr que quelqu'un de vous deux là connaît bailleresse. Vous ne connaissez pas les bailleresses. Donc, ça me concerne d'une façon ou d'une autre. C'est quoi le problème? Arrête ça. Monsieur, je veux causer en aparté avec votre ami. Puis tout mon cœur, descends, on va parler. On va causer. Attends d'abord, là-bas, je finis d'abord de parler avec mon frère. Tu vois, je finis de parler avec mon frère. Après, on cause, après, non? Ne commence pas à te fâcher comme ça. Je veux savoir, c'est quoi le problème? Donc, si je comprends bien, vous êtes passé de ami à frère. Non, okay. Ce n'est pas grave. C'est le dialogue, tu et vois. Toi, d'abord. Monsieur, ouais. Ça tombe bien que vous soyez son frère. Parce que pour mettre la main sur votre frère, Pitou, c'est vraiment difficile. Mais là, je pense que j'ai résolu mon problème. Écoutez-moi très bien. Je suis enceinte de votre frère. Donc, Pitou et son frère. Allons voir ma mère. Maintenant... Périmètre de sécurité.